qui est recommencé depuis le début. Merci beaucoup. Ah ben tabarnak. Quoi? T'as encore mis de la calisse de crème au lieu du lait dans mon café. Je comprends pas comment tu fais pour faire la différence à chaque fois. Donc sérieusement, là, faut que tu sois complètement aveugle. Je veux dire, à part le goût qui est carrément dégueulasse, la couleur va pas en tout pareil. Explique. OK. Le lait, là, habituellement, ça donne une belle couleur brun marbré au café. Hein? Tandis que la crème, là, ça donne une astie de couleur brun sable dégueulasse. OK, puis c'est quoi la différence entre brun marbré puis brun sable dégueulasse? Hey, dude, sérieux, si tu le sais pas déjà, là, ce genre d'affaire, t'apprendras jamais. Hey, ça m'a coûté de quoi, ça? Ah, relax, là, je te payerai le prochain. Je vais aller m'en chercher un autre. Tabarnak! As-tu bien fait de mettre de la crème dans ton café? Fuck, man. J'en reviens pas, man. Esti de cave, pareil, hein? Mais, hein? Je dis, man, c'est quoi l'idée? Braquer un Tim Horton en plein jour? Avec un esti de genre de police par cas face. Man, check son gun. Ah! Esti que j'ai hâte de la raconter aux autres, celle-là. OK, gars, pas besoin d'en faire toute une histoire. Ma vie, c'est cool, hein? On vient de rendre ça plus mignon que ça l'est déjà. Sérieux, à quoi t'as pensé? Pas de vos affaires, ça. C'est quoi son nom? Ouais, c'est quoi, c'est Maxime? Maxime Bien. Maxime Bien? Maxime Bien? Hey Max, il me vient une idée, on va aller braquer un Tim Horton en plein jour. Maxime Bien! C'est quoi ton histoire, toi, Maxime Bien? Comment mon histoire? Hey, ton histoire. Ton histoire, Chris. C'est-à-dire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi tu fais ce que tu fais? Tout ce qui vient. Ben, si ça t'intéresse, jusqu'à. Patrouille 27. Oui, on a reçu un appel à propos d'un individu suspect au 10-17 d'Endurant, appartement 313. La description du suspect correspond à celle d'un certain Patrick Charrier. Ça vous dit quelque chose? Patrick Charrier. Ah ben, tabarnak. Tu connais? Le boucher de Victoriaville, c'est-tu? Ça te dit rien? Peut-être, là. Ben oui, il coupait ses victimes en morceaux. Il les gardait congés, puis après ça, il vendait des morceaux dans sa boucherie. Il a nourri le voisinage avec le voisinage, c'est-tu, pendant 2 ans avant de se faire poigner. Ben, je comprends pas, là. Il était pas mort, là, lui. Le conseil de pas prendre au sérieux tout ce que tu vois dans les journaux, jeune.
Mais c'était dans le journal de Montréal. Patrouille 27, on est en route. L'Ottawa est mon calliste. Hé, vous me laissez au poste avant, hein? Les gars? Les gars? Alright, mon fils. Là, c'est un hostie de malade à qui on a affaire. Fait que pas de niaisage, OK? Tu dois sa gâchette puis tu tires à vue. Tu m'insistes-tu, là? J'ai-tu l'air de te niaiser? Puis lui? Ouais, puis moi? Là, on peut pas le laisser tout seul ici, là? Oh, ouais, pourquoi pas? Laissez-moi ici, là. Je veux dire, moi, je bougerai pas, là. Il a barré les portes, là. Je vous le promets, là. On va être bien tranquille. Non. On peut pas le laisser ici. Le suspect en question habite au 313. Je surveille l'arrière pendant que tu t'occupes de l'avant, on se rejoint à la porte. Compris? Le dos à sa gâchette. Go. Je reste ici, je surveille la porte, c'est bon? Arrête de niaiser, toi. Bouge pas, s'il te plaît. J'ai dit bouge pas! J'ai un homme à temps, viens tout de suite. Mets ta vite. Man, je m'excuse. Appel aux unités. J'ai besoin de renfort au 10-17 d'Endurant. 10-17 d'Endurant, on a deux blessés, dont Desrosiers, mon partner. Je répète, j'ai besoin de renfort au 10-17 d'Endurant. J'ai besoin de renfort. Yeah.
En fin de compte, le boucher est mort. Ouais. Good. Bonne chose de faite. Puis tout le gars que t'as tiré? Ouais, j'ai pogné l'épaule. Tu sais pourquoi il survit tant? Ben, après moi, c'est parce qu'il commence. Ben, en fait, Duquette a perquisitionné son appartement, puis il se trouve que l'homme en question faisait pousser une quantité assez incroyable de potes chez eux. Duquette, hein? Ouais. Enfin. Duquette! C'est une petite pote qui risque son parano. Ouais? Aujourd'hui, t'as reçu un appel suspect qui donne la même place que notre boucher. Quand t'es arrivé là-bas, t'es tombé sur le résident sur lequel tu venais investiguer. Quand tu t'es identifié auprès de lui, il a sorti quelque chose qui ressemblait à un arme. Tu t'es senti menacé, t'as été obligé de tirer. J'ai un rapport sur mon bureau d'ici un heure. Compris? Mais qu'est-ce que je fais de l'autre rapport? Quel autre rapport? L'autre rapport, le vrai, là? Ok, ok, c'est bon. C'est une heure. Delegation, guys. La mort de toute déresponsabilisation. On s'entend que tirer deux gars dans la même journée, c'est juste un petit peu trop. Y a ton père qui voulait que je te dise d'arrêter d'utiliser son bureau quand il est pas là. Fait que t'es correct? Ouais, ouais, ouais. Il y a juste Max, là, Maxime. Qui c'est Max? Ben, ça c'est le gars qu'on a appréhendé ce matin. Ah, le voleur de bank. Ok, laissez-le sortir en attaque frontière, là, c'est ce qui est arrivé. C'est correct? Good. L'avais laissé où lui en passant? Tabarnak. Excusez-moi, pouvez-vous appeler la police, s'il vous plaît? Ou un serrurier? J'ai cherché ma fille, pis si j'arrive à garder après 6 heures, je me fais charger un extra. S'il vous plaît.